Ce mercredi 24 mai, les célébrités scènes sont données à cœur joie sur le tapis rouge du Festival de Cannes. En effet, les stars ont défilé à l'occasion de la montée des marches du film La Passion de Dodin Bouffant. À cette occasion, Heidi Klum a dévoilé une somptueuse tenue. En effet, le célèbre mannequin de 49 ans porterait une robe jaune signée Zuhair Mourad. Fendue au niveau de sa cuisse, la robe laissait entrevoir son magnifique corps. Très échancré au niveau de sa poitrine, le tissu laissait entrevoir ses seins. Heidi Klum frôle l'accident de robe et le Festival de Cannes n'est-ce pas cet événement historique sans un petit accident de robe. En effet, à un moment, Heidi Klum a levé les bras en l'air. Et son décolleté ne l'a pas supporté. Un téton a alors fait une apparition rapide sur le tapis rouge. Fort heureusement, elle a rapidement remarqué que quelque chose n'allait pas. Le top modèle a continué à se prêter au jeu des photographes. Une chose est sûre, sa tenue a fait sensation sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Une fois de plus, Heidi Klum a attiré tous les regards. I think you can let me know. Sit down, sit down.